Bonjour à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle revue de rasage. Aujourd'hui, le savon que je vais utiliser, on va utiliser Sundown de Phoenix Artisan Accoutrement. C'est le savon qu'on va prendre. Ensuite, une autre affaire aussi que je veux présenter un petit peu, c'est le rasoir, le Curve Razor. Mais cette semaine, donnez-moi une seconde. On va essayer, je ne sais pas si vous allez être capable de voir, si on voit comme il faut, la plaque, on va essayer de rapprocher encore un petit peu, la plaque F. OK, cette semaine, j'ai reçu la plaque E et F. Ça va être, on va mettre la plaque F au travail aujourd'hui. Ça va être la deuxième fois que je l'utilise. La lame utilisée va être une Gillette Nacette. Deuxième usage, brosse. Je vais utiliser la Monster plus soft de Razor Rock. Puis l'après-rasage va matcher le savon. Ça va être Sundown encore de PA. Ça fait que je vais aller me rincer la figure. Je vais aller charger la brosse. Puis je vais vous revenir. OK? Donnez-moi une minute. OK. La brosse a chargé. Il y a beaucoup de savon dedans. J'ai chargé pendant 20 secondes. La brosse était plutôt sèche. Il va falloir ajouter beaucoup d'eau. Fait que c'est parti. On va avoir besoin de beaucoup d'eau. 100 heures du savon. Les notes sont talc, oak moss, citron, bergamote, petit grain, lavande, rose, musc, clary sage, vetiver et bois de santal. Quand vous sentez le savon même, quand vous le sentez dans le pot, ça sent le musc et la poudre. Vous êtes capable de reconnaître le musc et la poudre, le pot de talc. Mais sans ça, là, c'est vraiment dur de discerner les autres senteurs. Sont très bien, sont très bien mélangés. La senteur est basée sur l'après-rasage Sunop de Gillette qui a été produite pendant dans les années 60 pendant 6-7 ans. C'est une belle senteur qui est vivifiante, OK? C'est pour, si vous voulez, là, pour vous réveiller le matin, là, c'est vraiment là, tonifiant. OK, première passe avec le Curve. Encore sur la plaque F. Les ingrédients, je vais mettre les ingrédients à l'écran du savon, comme ça vous allez pouvoir les voir. Sundown et bon, c'est la recette Crown King. Tous les produits PA maintenant utilisent
cette formule-là. Ça va très très bien. Okay, c'est une belle glisse. C'est assez protectrice. Okay, comme vous pouvez voir, la mousse est très épaisse. Comme c'est pas un savon au suif, je peux pas dire vraiment que c'est à cause que c'est pas un savon au suif. Personnellement, je préfère la mousse quand elle est plutôt pas trop hydratée. Que j'avais beaucoup de savon. Puis comme vous pouvez voir, ok, j'ai pas vraiment de problème là, ça fait un très beau rasage. C'est très protecteur, c'est très glissant encore en arrière. Bon, fin de la première passe, c'est un bon rasage. Ok, on a coupé pas mal. Ce que je vais faire, je vais me rincer la figure, on va revenir pour la passe numéro 2. Ok, donne-moi une seconde. Ok, la face à rincer, on va aller pour la deuxième application. La brosse va super bien, aucun problème avec la brosse. Le savon, regardez, continue à donner une belle mousse à pince. Cette semaine, ça a été une excellente semaine de rasage pour moi. J'ai reçu les plaques E et F de Curve. Ok, deuxième passe, on va aller contre le grain. E et F, j'ai reçu d'autres fragrances de Zoa Aroma. Et ensuite, mercredi, M. Peter Sharkalis, le propriétaire de Shaving Shop, The Club, A&E, Ariana and Evans, était ici à Halifax. Je l'ai contacté, puis j'ai été avoir une coupe de drink avec. Super de belles rencontres. Monsieur Sharkalis, Peter, excellente personne. Ça a été une très très belle soirée, super intéressante. Si jamais vous avez la chance, là, de l'avoir dans votre coin, là. Allez le voir, ok? Communiquez avec, puis allez le voir. J'ai communiqué avec, ça a été quelque chose de dernière minute. Ça a été triste un peu, j'aurais aimé ça pouvoir inviter plus de monde. J'ai essayé d'inviter, mais comme c'était de dernière minute, un mercredi soir, des fois c'est dur à pas se libérer. Quand même passé 3 heures avec. Super intéressant, le gars.
Bon, troisième passe. Le savon fait très bien son travail. C'est encore super glissant. On est quasiment fini. Fait que je vais aller me rincer la figure. Puis je vais vous revenir pour la troisième passe. Dans la troisième passe, on va parler un petit peu du rasoir, du curve. Comment est-ce qu'il va. OK? Troisième passe. Ou troisième application. OK. Le curve. Cette semaine, j'ai essayé la plaque E. Là, aujourd'hui, hier, puis aujourd'hui, j'essaie la plaque F, qui est la plus agressive sur le rasoir. Oui, c'est la plus agressive. À quoi la comparer? Je le sais pas. Je suis pas capable de la comparer à rien. Elle est super efficace. OK, le gap dedans est super... il est assez gros. C'est assez... c'est un bon gap. Mais, même si c'est... regarde ça, mot de la belle mousse. Même si elle est agressive, là, elle reste quand même assez douce. En comparaison, là, c'est... si vous regardez... efficiency, aggressiveness, l'agressivité, l'efficacité versus la douceur, là, je suis surpris. C'est dur de ne pas aimer ce rasoir là. C'est super dur. Je vais essayer de vous montrer le blade gap. Hein. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas si je vais être capable. Je ne sais pas si vous pouvez voir le blade gap là-dedans. C'est assez dur. J'ai de la misère à voir dans la caméra moi-même. Attends. Il est assez élevé. Okay, il est c'est assez ouvert. Mais, mon Dieu que c'est doux. Là, OK. Encore là, c'est relatif. Vous sentez la lame, OK? Vous sentez la lame. La nacette, c'est une lame assez coupante, OK? Ça fait que, oui, ça va être... puis c'est une lame douce de nature. Mais... personnellement, je suis un gars qui aime les rasoirs, normalement, là, en frais d'efficacité. De quoi comme le Mercure, le 38C, là, je trouve que c'est là que ma zone de confort est. Ça, ça bat ça, c'est beaucoup plus efficace que le 34C, 38C. L'ouverture de la lame, le blade gap, là, je comparerais ça un petit peu à le Mercure Futur sur 4 ou 5. Mais encore là, c'est beaucoup plus doux que le Futur. L'ouverture de la lame, le blade gap, là, où est-ce que moi ça me pose un problème, c'est ici sur le bas de la lèvre. Mais autrement que ça, là, c'est un très bon rasoir. OK, je vois un petit peu plus tranquillement parce que, comme j'ai dit, l'ouverture de la lame est assez prononcée. Puis c'est quand même assez facile de se couper avec une lame qui est exposée comme ça. Mais... la douceur, là, c'est incroyable. C'est...
Si vous essayez de le comparer au Rockwell 6S là, ou 6S, la plaque 5SS, ça, c'est même plus dans le même univers. On parle de quoi là, de carrément différent. Là. Peut-être en efficacité, peut-être l'efficacité est comparable, mais c'est comme j'ai dit, la douceur de Star Wars War-là, c'est tellement surprenant là, que c'est un rasoir qui est une classe par lui-même, je pense. Fasse attention, je me suis coupé cette semaine. Puis ici, ben là, ça, je continue à me... Ça, c'est tout le temps là, quelque chose que je me coupe. OK, fin de la troisième passe. Mon Dieu, quoi dire? Savon, super de belle senteur, la formule pied, là, c'est numéro un, j'adore. La brosse, excellent. Le rasoir, là, c'est vraiment, là, pour moi, là, ça va être la découverte 2018 dans le monde du rasage. Vous le voyez de plus en plus, le rasoir, le monde en parle de plus en plus. C'est vraiment là. Quand le monde dit là, que c'est un excellent rasoir, là, c'est là. Okay? C'est excellent. J'adore ce rasoir-là. C'est dur de retourner à utiliser d'autres rasoirs. Fait que là, ce que je vais faire, je vais aller me rincer la figure, puis je vais vous revenir pour la conclusion. Donnez-moi une minute. Non, des arrêts. Et fait. Je n'ai pas utilisé le bloc d'Alain, je ressens pas le besoin. C'est un beau rasage. OK, l'après-rasage. OK. PA, Crown King. Bon, c'est Crown King. Sundown. La senteur de l'après-rasage est un petit peu différent du savon. Quand vous le sentez à la bouteille. Pourquoi? Il y a peut-être une odeur plus boisée un peu. Le savon, pour moi, est plus floral, alors que ça, c'est un petit peu plus boisé. Il y a aussi du menthol dedans. C'est mentholé, alors ça peut faire un petit peu une différence. Bon, en fait... Ça conclut notre rasage de cette semaine. Encore une fois, le savon utilisé. Sundown, The Crown King. OK? Beau savon, très belle formule. Senteur, c'est super vivifiant. Copie ou un hommage à Sunup, un après-rasage Gillette des années 60. Le rasoir, Christopher Bradley par Curve Shaving Co. La plaque F. Ça va être okay, ma plaque daily, à tous les jours. C'est magnifique. J'adore ce rasoir-là. Je peux pas. Je sais pas comment en dire plus. Okay? C'est vraiment mon rasoir. C'est numéro 1. L'après-rasage. Crown King. Okay? Sundown. Excellent. Bel après-rasage. Bel effet mentholé. Un petit peu de brûlure au début, ensuite le menthol vient tout rafraîchir. Belle senteur. Comme je dis, la senteur est peut-être bien plus boisée un peu. Il y a le menthol aussi okay, qui participe à l'odeur, là, mais peut-être l'odeur est un petit peu plus boisée que le savon. Avec ça, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Okay? Comme ça, vous allez pouvoir venir me voir pour les prochains rasages. Ensuite, je m'en viens là, sur la fin de l'année de rasage, bon, sur la saison de rasage, environ vers le 15 de juin, je vais retomber en vacances rasage, vacances YouTube. On va se revoir après ça dans mon nouvel appartement à Ottawa au mois de septembre.
Je vais peut-être placer une vidéo ou deux durant l'été parce qu'il y a une couple de choses qui vont arriver, puis ça m'aide. Puis je voudrais mettre ça en vidéo. Ensuite, même que je déménage, je veux faire une petite vidéo comment je vais apporter, qu'est-ce que je vais apporter, les produits que je vais prendre. Ça fait qu'avec tout ça, là, je vais arrêter de parler, puis je vais vous laisser partir. J'espère vous voir en fin de semaine prochaine pour une nouvelle revue de rasage. D'ici à là, belle semaine, plein de beaux rasages. OK? On se revoit en fin de semaine prochaine. Tout le monde.